Eh bien, bonjour les amis chasseurs et chasseuses de succès trophées. On se retrouve aujourd'hui pour le 100% de Siberia, The World Before. Donc, je vais faire tous les succès en vidéo, ça sera complet. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à laisser un commentaire. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao! Eh bien, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le nouvel objectif secondaire. Une fois que vous avez réparé tous les mécanismes des automates dans la quête principale, avant de jouer du piano, il faut aller parler au recteur qui se trouve sur la place principale. On va avancer par là. On va chercher le recteur. Et on va aller à l'académie. On entre dans l'académie. On va à l'accueil, faire sonner la cloche. Excusez-moi. Ohé. Encore. Il y a un petit problème. Même si je parviens à réparer les différentes parties de l'orchestre mécanique, il faudra encore que j'arrive à jouer du piano correctement, et je n'ai pas touché un piano depuis l'école primaire. Ma mère m'en avait acheté un quand j'étais petite, mais ça n'a jamais été mon fort. Ne vous en faites pas pour ça. Il n'y a pas besoin d'être une virtuose pour activer le mécanisme. L'orchestre mécanique sortira si vous jouez toutes les notes, dans le bon ordre, indifféremment du rythme. Il vous suffit d'avoir quelques rudiments de solfège. Pourquoi l'académie va-t-elle fermer? Pour la simple raison qu'il n'y a plus d'élèves. Plus d'élèves, plus de cours. Plus de cours, plus d'académie. Ma question va vous paraître stupide, mais pourquoi n'y a-t-il plus d'élèves? Parce que le maire a supprimé la subvention qui permettait à notre belle institution de rayonner dans le monde entier. Pourquoi a-t-il fait cela? Une histoire de restrictions budgétaires. Du coup, plus d'équipes, plus d'élèves. Plus d'élèves, plus de cours, je vois. Mais entre vous, moi et ce comptoir, je pense que tout ceci n'est qu'un prétexte pour nous faire déguerpir du bâtiment. Qui pourrait avoir intérêt à faire ça? Ceux qui veulent gagner des sous. Les promoteurs immobiliers qui vont découper notre belle institution en boutiques, en appartements et en espaces de bureaux, comme ils l'ont fait avec tous les autres bâtiments jouxtant la place musicale. Il est clair que vous n'appréciez guère la modernisation de la place. Le conseil municipal, dans sa grande sagesse, a estimé archaïque et imprévisible que les automates musicaux ne puissent être activés que par les meilleurs élèves de l'académie. Par un soliste ou un virtuose de passage à Wagen. Sans parler des artistes de rue qui n'attirent pas vraiment les touristes. Du coup, ils se sont dit qu'ils allaient tout électrifier et informatiser l'activation du concert mécanique. Ceci afin qu'ils jouent à heure fixe comme une attraction. Et l'ont-ils fait? Oh, les discussions se sont éternisées et finalement rien n'a été fait. Ainsi, la place a quasiment été abandonnée. Et les automates musicaux ont fini par se dérégler. Bon, je ferai mieux. Et voilà. Oui, voilà. Bonne chance avec les mécanismes, Fraulein. Quête secondaire terminée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la petite cloche pour connaître la suite des épisodes et de me suivre sur ma chaîne Twitch. Allez, ciao ciao!